Alors, nous allons maintenant coder cette application avec le virus. Vous pouvez vous appuyer pour démarrer sur la version que vous venez de réaliser en modifiant la ligne d'arrivée et le point de départ. Et si vous avez des doutes, vous pouvez aussi télécharger la version qui est indiquée à l'adresse ici. Vous avez aussi accès à plus d'explications sur le site du cours à l'adresse qui est indiquée ici. Alors, ce que l'on va faire d'abord, c'est créer un lutin pour le virus avec sept costumes que l'on va afficher successivement pour donner l'impression que le lutin est animé. Et cette animation, eh bien, on va le faire dans une boucle infinie. On affichera les costumes les uns après les autres en attendant 5 centièmes de seconde à chaque fois. Alors, je crée un lutin que j'appelle virus. Ensuite, je le place à côté de la voiture. Ensuite, je vais créer un premier costume sous forme de cercle creux que je vais centrer soigneusement et auquel je vais rajouter un œil noir. En fait, vous dessinez ce que vous voulez, l'important c'est qu'il y ait une belle animation. Ensuite, vous allez dupliquer ce costume 3 ou 4 fois. Alors, pour dupliquer, selon le navigateur, vous utilisez soit le clic droit de la souris, soit la touche majuscule et le clic gauche de la souris. Et une fois que vous avez dupliqué ces costumes, vous allez dessiner une gueule qui s'ouvre de plus en plus grand, depuis une gueule fermée pour le premier costume jusqu'à une gueule ouverte au maximum pour le quatrième costume. Une fois que c'est fait, vous sélectionnez le pot de peinture, vous choisissez une couleur et vous colorez chacun des lutins. Il ne vous reste plus qu'à effacer la ligne qui reste devant la gueule ouverte des différents costumes. Voilà, maintenant ce qu'on doit faire, c'est compléter la séquence des costumes. Les quatre premiers costumes vont permettre au virus d'ouvrir la gueule et il faut rajouter ceux qui correspondent à la fermer. Et ensuite, cette séquence de six costumes, elle va se répéter indéfiniment. Je dois aussi détruire le dernier qui est inutile. Voilà, maintenant je peux passer au script. Alors, pour l'animation, je vais prendre une boucle infinie dans laquelle je vais mettre un petit délai d'attente de 0,05 secondes. Et puis, je vais demander de changer de costume. Alors, je peux tester en cliquant sur le bloc de répétition et je vois que mon virus est bien animé. Voilà. On va maintenant décrire le comportement du virus sous forme de scénario que l'on pourra ensuite programmer. Au début du deuxième tour, le virus va partir du point de départ, mais avec une seconde de retard. Il va ensuite se mettre à la poursuite de la voiture. Et si le virus rattrape la voiture, elle va perdre une vie et elle doit retourner au départ. C'est ce qui correspond à la procédure redémarrer. Ce problème qu'on doit résoudre, c'est un problème de synchronisation. On doit dire au virus de démarrer quand la voiture commence le deuxième tour, et on doit dire à la voiture de redémarrer si le virus s'aperçoit qu'il l'a touchée. Alors, vous savez maintenant que tous les scripts ou tous les bouts de programme commencent tous par un événement. Et pourtant là, on n'a pas d'événement qui nous dit que la voiture arrive au deuxième tour ou que le virus a touché la voiture. Alors, comment on va faire? Alors, ce que je vous suggère, c'est de faire une pause vidéo et de chercher pendant environ 5 minutes. Et si vous êtes à plusieurs, eh bien, chercher ensemble, ça sera bien plus intéressant. Et si vous trouvez, eh bien bravo, vous êtes très très fort parce que c'est des blocs qu'on n'a encore jamais utilisés. Allez, petite pause vidéo et on se retrouve tout à l'heure. Eh bien, la réponse à notre problème, ce sont les blocs de messages. Et bravo si vous avez trouvé. La voiture va envoyer un message pour lancer le virus au début du deuxième tour et un autre message au début du troisième tour pour arrêter le virus. Et pour tous les lutins, la réception de chaque message va être un événement auquel il pourra réagir. Dans le cas du virus, quand il reçoit le message lancer virus, eh bien il va faire ce qu'il faut pour démarrer. Et quand il reçoit arrêter virus, il va faire ce qu'il faut pour arrêter. Mais de la même manière, lorsque le virus touche la voiture, il va envoyer à tous un message redémarrer. Et l'arrivée de ce message redémarrer sera traitée par la voiture pour déclencher un redémarrage. L'autre message que le virus doit envoyer, c'est de s'arrêter lui-même, donc il doit envoyer un message arrêter virus. Cette solution, elle marche très bien, mais elle n'est pas assez générale parce que ce que l'on veut, c'est que le virus s'arrête à chaque fois qu'il y a un redémarrage. Donc, on va aussi rajouter dans le programme du virus l'événement qui correspond à la réception du message redémarrer. Dans le script de cet événement, on va envoyer le message arrêter virus, donc ça fonctionnera comme avant. Quand le virus touche la voiture, mais ça marchera aussi pour toutes les autres causes de redémarrage. C'est donc une solution bien plus générale.
Donc, on va programmer le lutin virus en commençant par ce qui se passe quand on appuie sur le drapeau vert. Et bien, dans ce cas-là, on cache le virus et on le met à la bonne taille, par exemple 40%. Ensuite, je vais écrire les scripts correspondant aux événements de réception des messages, mais ces messages, ils n'existent pas encore. Donc, pour les créer, je vais utiliser un bloc envoyer message pour lancer virus, pour arrêter virus et pour redémarrer. Même si ces blocs, pour l'instant, je ne vais pas les utiliser. Alors, faites bien attention à utiliser le bloc envoyer message et surtout pas le bloc envoyer message et attendre. Je vais maintenant prendre l'événement qui correspond à la réception du message lancer virus et je vais écrire le script correspondant qui commence par attendre une seconde et ensuite qui envoie le virus au départ et le montre. La vitesse, il faut la fixer, donc il me faut une variable vitesse hein, que je déclare. Et ensuite, cette vitesse, eh bien, je la mets à une valeur à régler. Bon, là, je l'ai mis à 6. Si vous voulez, vous pourrez la régler différemment. Bien, donc le virus, il est apparent, il est au point de départ après une seconde. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'orienter et le faire avancer en continu vers la voiture jusqu'à ce qu'il la touche. Donc, je prends une boucle infinie, j'oriente le virus vers la voiture. Et j'avance de vitesse virus. Et si le virus touche la voiture, alors je vais jouer un son que je vais aller chercher dans la bibliothèque, par exemple Drum Bass 3, et puis je vais le jouer en sélectionnant le bloc qui joue le son dans la catégorie des sons. Et enfin, je vais envoyer à tous le message redémarrer. Et tout à l'heure, dans le script de la voiture, je traiterai l'événement qui correspond à la réception de ce message redémarrer. Ce qu'il faut faire également, c'est lancer l'animation. Donc derrière le même bloc événement, je vais lancer la boucle de changement de costume. On va maintenant traiter le message d'arrêt du virus. Donc quand je reçois ce message, j'interromps tous les autres scripts du lutin et je cache le virus. Le dernier message à traiter, c'est le message redémarrer. Et dans l'événement correspondant, je me limite à appeler ou à envoyer un message pour arrêter le virus. Alors, ça y est, j'ai terminé la programmation du virus et les messages de démarrage et d'arrêt me seront envoyés depuis la voiture. Par contre, j'aimerais bien pouvoir tester le fonctionnement du virus avant d'avoir fait le programme de la voiture. C'est ce qu'on appelle un test unitaire. Eh bien ça, je vais le faire en déclenchant le démarrage du virus avec la touche V et son arrêt avec la touche S. Alors on peut tester, j'appuie sur le drapeau vert et la barre d'espace, puis sur le V pour faire démarrer le virus une seconde après. Quand le virus touche la voiture, on va entendre le son et le virus disparaît. Alors voilà, ça marche du côté du virus. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est modifier le programme de la voiture. Ce que je dois faire, c'est envoyer un message, lancer virus. À la fin du premier tour ou au début du second, je dois envoyer un message arrêter virus à la fin du deuxième tour ou au début du troisième, et je dois aussi traiter le message redémarrer. Ce que l'on va faire pour que le code soit assez lisible, c'est qu'on va créer une procédure nouveau tour. Et cette procédure nouveau tour, on va l'appeler à chaque changement de tour. Et c'est à l'intérieur de cette procédure qu'on augmentera le nombre de tours de 1. Dans cette procédure, on va tester si le nombre de tours vaut 1, ce qui veut dire dans ce cas-là qu'on est au début du deuxième tour et qu'on doit envoyer le message lancer virus. Ensuite, on va tester si le nombre de tours vaut 2, ce qui veut dire qu'on est au début du troisième tour, donc on doit dans ce cas-là envoyer le message arrêter virus. Ce que je dois faire en complément de l'envoi des deux messages, c'est traiter l'arrivée du message redémarrer. Et pour redémarrer, je dois retirer une vie, arrêter tous les autres scripts de la voiture et troisièmement, appeler la procédure redémarrer. Donc, je retire une vie. J'arrête tous les autres scripts de la voiture et finalement, j'appelle la procédure redémarrer. Alors ça y est, j'ai terminé ma première version du programme. Alors je teste avec le drapeau vert et j'appuie sur la barre d'espace. Et au second tour, le virus court après la voiture et quand il la rattrape, eh bien, elle repart au début.
Je vais faire un deuxième essai, mais cette fois-ci, au lieu de me laisser rattraper par le virus, je vais aller dans le décor et je vais voir ce qui se passe. Eh bien, quand je touche le verre, le virus reste vivant. Donc ça, c'est un petit bug à corriger. Alors, ce que je vous suggère, c'est de faire une pause de 5 minutes, de chercher la solution, et ensuite on la verra ensemble. Alors, si vous avez trouvé et que vous avez testé, bravo. Mais en tout cas, j'espère que vous avez cherché. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, quand la voiture sort de la route ou touche le verre, eh bien, il faut envoyer le message Arrêtez virus. Alors, codez cette solution et vérifiez qu'elle fonctionne. Et puis moi, je vais vous en montrer une autre. Parce que maintenant vous êtes vraiment des pros, alors vous allez voir. Au lieu d'envoyer le message arrêter virus, on va envoyer le message redémarrer. Alors pour le virus, c'est exactement la même chose puisque redémarrer appelle arrêter virus. Mais ça n'est pas pareil pour la voiture. Le message redémarrer, il va également arriver à la voiture. Donc on va retirer une vie, on va redémarrer. Et ça, il ne faut pas le faire deux fois. Donc, quand on appelle la procédure redémarrer, il va falloir retirer les trois blocs qui font la même chose. Dans le code, on va ajouter un bloc d'envoi du message redémarrer et on va supprimer les trois blocs qui suivent, qui sont en double. Vous pouvez vérifier la solution. Si la voiture sort de la route, le virus disparaît s'il était là. L'avantage de cette solution, c'est que les programmes du virus et de la voiture sont pratiquement indépendants. Les deux seules fois où le virus intervient dans le programme de la voiture, c'est quand on le lance et quand on l'arrête. Et cette séparation, ça facilite la compréhension et la correction des logiciels compliqués. Voilà, c'était très long, mais on est arrivé au bout et maintenant vous pouvez jouer tranquille.